Salut à tous et bienvenue pour la deuxième édition du Gladiator, pour les troisièmes rencontres entre Man Lolo et son Tioc et Pierre 62100 et son Guile. Et c'est parti direct avec un Sonic Boom, le Condor Dev qui punit ce Sonic Boom, le pied fort de la part de Man Lolo qui est bien parti. Et le pied fort, encore une tentative, le tentative de zoning, le flash kick qui passe, il décale un point fort. Encore un flash kick un petit peu trop loin, malheureusement pas puni par Man Lolo. Le Condor Dive en ex. Encore le saut qui passe bien puni par cette balayette. Le Tomahawk. Man Lolo est bien parti, puni bien. Ah là là, la balayette encore. Le Tomahawk en ex et le pied fort. Bien joué ça de la part de Man Lolo. Qui fait un très très bon départ. C'est parti sur les chapeaux de roue. C'est un match dynamique déjà. Pierre a mis la pression aussi, il a placé des jolis combos qui font bien mal et c'est parti tank pour ce deuxième round. Le flash kick direct mais il décale avec une chop. Le Sonic Boom un deuxième, un troisième, il se méfie un petit peu des Condor Dive donc il fait attention à sa distance. Voilà, et non, la baillette un petit peu trop court, puni par la baillette de Man Lolo. Le Sonic Boom qui passe. Le Condor Spire pour avancer, ah ouais, puni par la balayette et il décale la chop. Pierre est pas mal dans son round. Le Condor Dive trop loin. Il met les combos dans la garde. Le pied fort, il met la pression, le Guile. Bien joué ça, le pied fort et la balayette. Ah, bien joué ça, le Tomahawk après derrière. Ah non, la chop qui passe pas le point fort, balayette. La chop qui est esquivée. Et il prend, oulala, des bouts des doigts, le Rigging Typhoon qui termine. Man Lolo est impressionnant déjà dans ce round. Il a bien placé ses phases, il a fait whiffer quand il fallait. Et pourtant Pierre joue bien aussi, hein. Il essaye vraiment de le punir, de bien placer ses phases. Mais vraiment Man Lolo a bien anticipé sur le saut de premier round. Bien joué ça, le Condor Dive en ex qui attrape Condor Spire pour avancer. Le flash kick, les deux joueurs sont très offensifs pour le moment. Et encore un Condor Dive qui passe. La balayette encore qui passe bien, une deuxième, il en enchaîne. Ah, il a tenté une troisième qui passe encore, oh là là. Décidément, la Man Lolo à tout prix, le flash kick. Ah, très belle construction. Bien joué ça, vraiment pour le moment. La pierre est bien. Le Sonic Boom en ex qui part telle une fusée. La balayette esquivée, le pied fort en sautant. Vraiment, la pierre était bien. Il a bien mené le round jusqu'au bout. Et voilà, 2 rounds à 1, 5 partout. Ça va promettre une rencontre tendue maintenant. Parce que Pierre lui aussi peut renverser la tendance. Et voilà directement la balayette et décale la chope. Ah, il déchope pas assez Man Lolo, c'est dommage. Un Sonic Boom qui passe encore. Ah, il a raté sur le coup Pierre. Le Condor Dive qui attrape. Du bout, encore un Condor Dive qui passe, il place la balayette. Et encore, là c'est une histoire de balayette, le Tomahawk qui punit. Oh, la rencontre monte encore en puissance. Et voilà, il avance doucement avec des Tomahawk, le Condor Dive qui est dans la garde. Un petit Sonic Boom tandis que Pierre lui prend la distance. Sonic Boom en ex qui passe. Et il essaye de trouver l'ouverture. Ah là, il aurait pu punir Man Lolo, dommage. Il a mis un Condor Dive. Bon, le Tomahawk trop loin, puni par le Sonic Boom. Encore un doucement pour avancer cette fois. Ah là, il aurait pu rusher un petit peu mieux. Pierre sur le coup. Ah, le pied fort qui passe. Alors là, des orteils celui-là. Un Sonic Boom en ex encore qui passe. Et voilà la double touche, mais là cette fois ça profite encore à Pierre. Et voilà, 2 rounds partout, 6 à 5. Aucun temps mort dans la rencontre, ça joue à fond. Et là c'est pour le moment c'est Pierre qui domine ce jeu là. Il a rattrapé son retard. Un Sonic Boom, un deuxième en ex qui passe. Les deux points légers. Le flash kick à la retombée, ça c'est, il a bien attendu le bon moment. Et le martel à coupie léger. Ah oui, bien dosé la distance, là encore il a fait gaspiller une barre d'ex. Et encore un jeu de placement de la part de Pierre qui attend un petit peu plus sur le coup. Fais attention, ah, le Condor Dive sur le puni par le pied léger. Ouais, il a placé le coup, ah il a pas enchaîné, c'est dommage. Il aurait dû placer un Mexican Typhoon sur le coup Man Lolo pour faire beaucoup plus de dégâts. Ah là, il y a une petite phase de jeu de zoning là de la part de Pierre. Bien joué ça, le Condor Dive en ex, il l'a complètement surpris. Ah, Pierre passe à l'attaque un petit peu plus là. Le Sonic Boom en ex. Un deuxième, le pied fort qui punit. Bien joué ça, le Tomahawk à la retombée. Aïe, 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 un petit peu loin pour le Mexican Typhoon. La balayette qui passe, il le met dans le coin. Non, non, Merlello, pas si vite les Mexican Typhoon. T'as le temps. Le Condor Dive qui juste. Tandis que Pierre recule, le pied fort. Ah non, dommage, il a complètement craqué la Manolo. Et voilà, Pierre finit par une balayette en punition. C'est bien joué.
Il est revenu comme un boulet à la fin. Il était mené 2-0. Il a gagné 3-2. Bravo à toi, Pierre. Manolo aussi a bien joué. Il a quand même remporté des points dans le classement général. 9 points pour Shinryu, 9 points pour Crystal, 7 points pour Koref, 5 points pour Baboul et 5 points pour Manolo. Voilà qui conclut cette rencontre. J'espère que ça vous aura plu et que l'esprit des combos soit avec vous.